Je vous dis à tout de suite. Je vais, voilà, le temps de l'intro pour vous, je vais aller aux toilettes. Ah! Ne parle pas, le coup des toilettes dans Raft, oh mon Dieu. La vanne. Alors du coup ça nous a laissé le choix du perso. Ah, on s'était dit avec petit Seb, il a aussi Spelunky. Avec Petit Seb, on s'était dit qu'on essaierait d'y jouer en multi. Je crois qu'il y a un truc comme ça, combat, mort, machin, je sais pas, il y a des trucs que j'ai jamais fait. Nous avons deux explorateurs en ligne dans l'aventure du jour, vous avez droit à un seul essai. C'est fou, non? Mais... ouais, ça aussi, oh là là. Faudra voir avec Petit Seb. Qui c'est que j'ai pas incarné depuis longtemps? L'homme au turban, je l'aime bien. Allez, on va faire l'homme au turban pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Là. Enfin, plutôt trois quarts d'heure, là, comme je joue jusqu'à 20h. L'idée qu'il y aura le Ling Lang Long de Carillon, on passe au... je veux dire, on passe aux toilettes, je suis en train de relire Torota. On passera au tableau mystère, et puis... et puis j'endrai mon antenne. Je regarderai, moi, Nash jouer ce soir. Sur Kick, et moi je fais mon épisode de Raft en solo, je suis très motivé en ce moment, le Raft en solo, ça me fait très envie. Oh, la bande est là. Non, c'est débile. La construction du tableau est débile. Bon, autant prendre le lingot là parce que j'aurais pas dû traîner là. Enfin un jeu que j'aime. Oui, ça peut m'arriver de diffuser des jeux que tu aimes comme des jeux que tu n'aimes pas, mon cher FunFan. La vie est cruelle. Bah, tant pis pour le chien, mais au moins il m'est servi de... Ouais, allez, je me barre, je vais pas traîner. J'avais jamais encore entendu cette musique, ouais. La musique de l'intro. Merde. Squelette. Oh, que des cordes, je m'en moque.
Alors que c'est important, si je vais en prendre un peu, si elles sont... Non, elles sont trop chères. Donc, il pourra aller se faire un peu pour goûter. On dirait que tu incarnes un indien. Ouais, ouais, c'est... Non, mais c'est ça, en plus. L'idée, là... Oh, il y a trop de lingots, là. Il y a des lingots qui se perdent. La manière dont se présente le tableau, c'est pas cool. Ouais. Je vais même prendre le caillou parce qu'il va me servir. Contre l'araignée suspendue. Voilà. Et peut-être même le squelette allait se réanimer. Donc c'est pas cool. Alors la grande question de merde, le caillou n'est même pas à hauteur du serpent. Ah bah la bombe. Voilà, j'ai dépensé le piège avec un subtil lancer de cailloux. Ah, la sortie est ici. Alors attends, je peux me faciliter la tâche si je fais ça. Moi je continue mon expansion. Je vais continuer mon exploration. Putain, là, je sais me chercher loin quand même. Oui, ça aurait presque. Oh non, ouais. J'hésitais à mettre la bombe au niveau des pics, mais c'est pas. Voilà. On peut dire en quelque sorte que j'ai pacifié la jaune. Alors, le. Voilà, le. Bijou vaut le coup. Mais des petits lingots sols derrière une toile d'araignée, c'est une perte de temps, vraiment. Merde, je suis utilisé une corde pour venir. Le coffre était en dessous, je crois. Oh putain, il m'a fait peur cet abruti de squelette. Alors, l'œil de Kali, vous voyez, j'ai déverrouillé le coffre à serrure avec la clé en or. Et c'est énorme en fait, c'est la condition, si j'ai bien compris les grands joueurs de Spelunky, c'est la condition pour finir le jeu et avoir la vraie fin. J'ai un pouvoir de la déesse noire, Kali, là j'ai l'œil égyptien. Ce qui fait que j'ai maintenant un avantage de clairvoyance. Je vois, en plus de voir l'or dans la roche et dans la structure même des murs, je vois les diadèmes. Donc déjà stratégiquement je peux poser des bombes un peu mieux pour avoir du fric par la même occasion. Merde, il faut peut-être que je vois ce qu'il y a comme sur la gauche. Oh là là, les cobras avec leur venin. Et arrivé à la jungle, si je l'atteins, on l'a déjà fait une fois. On peut détecter grâce à l'œil de Kali l'entrée secrète du marché noir. Qui est en fait un niveau spécial qui regroupe tous les marchands normalement du jeu. Vous avez 90% des. Merde, des outils et des objets vendables du jeu qui vous sont accessibles, ce qui est juste énorme. Alors, le marché joue noir, autant y entrer quand vous êtes pété de thunes. Et voilà, désolé, la bombe m'a servi. Oh merde, je la fouette en plus, oh, je suis un monstre. Alors ça c'est une erreur de manip de ma part. Un troisième coup, elle meurt la pauvre. C'est pas du tout. Voilà. Ce qu'il faut faire. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ah merde, un scorpion. Ils font des sacrés sauts, ils sont chiants. Ah! C'est réveillé, je l'ai mis en pièce. Oh putain, il y a de la thune. C'est irrésistible, dans ce jeu on devient vite cupide. Mais c'est dangereux. Une caisse de matos. Alors là j'ai envie de vous dire merdouille. Voilà. Alors elle je la sens pas du tout. Oh pardon la bombe. Oui barre-toi la bombe. Ah non. Orage au désespoir. Mal placé cette chauve-souris. C'est bon. Bon, j'ai déjà gagné une vie.
Quand je sauve la bande, qui peut être une bande, un chien ou un beau mec blond, c'est une vie de gagner au niveau suivant, le temps de la transition d'un niveau à l'autre. Oh génial, des bombes. Et voilà. Voilà, vous avez des frissons dans le dos, donc c'est le temps pour moi de me barrer, parce que quand on reste plus de 2 minutes 30 dans un niveau, le fantôme de la muerte apparaît. Et le fantôme, il passe à travers tout, il fonce sur vous, alors lentement, mais il fonce sur vous, et s'il vous touche, vous êtes mort, mais mort de chez mort, vous perdez toutes vos vies, le jeu est fini. Enfin, la partie est... Je me permets de répéter les grandes règles de Spelunky pour ceux qui seraient nouveaux, ou qui regarderaient au hasard de ma chaîne YouTube cette vidéo à la demande. Ça, c'est dégueulasse, les tableaux sont générés de manière aléatoire, et le jeu de dés est absolument abject. Ce niveau est horrible. Ce niveau devrait être interdit. Oh oui, alors sur plus d'un titre. Alors attends, je te mets... Merde, j'ai mis un crochet au lieu de mettre une bombe. Ouais, j'en suis tellement troublé que j'ai merdé ma... Pff, c'est ridicule. Ce que je viens de faire n'a aucun sens. Oh dommage, si seulement la bombe avait pu tuer le cobra en chutant, j'aurais adoré. Mais seul le joueur peut le faire. Ah merde, c'est... Attends. Ah, c'est pour lancer des objets à l'autre, à l'horizontale, ça, le banc vert. Oui, j'adhère à tout, en fait. J'escalade les murs, c'est ça? Ah oui, c'est j'escalade les murs, c'est encore plus fort. Donc du coup, ça va me perturber à 200%. La sortie est où? C'est une catastrophe. Je vais passer par là parce qu'il y a du matos. Mais mon souci est que je sais même pas si je fais bien. Alors là, je me suis mis dans la merde. Voilà, j'ai failli me planter dans les pics. Le truc à pas faire. C'est une catastrophe. Cette partie est une pure catastrophe. La composition de tableau me guaque littéralement le cerveau, quoi. C'est vous dire. Je refuse d'admettre ce que j'ai sous les yeux. Merde. En même temps, c'est pratique, mais... Alors, ça sert à rien d'aller à la lutte, là. C'est hyper dangereux. Ce tableau est d'une cruauté. Ah, la jungle. Eh, je joue de mieux en mieux, hein. Session de Spelunky après session de Spelunky. J'arrive à atteindre beaucoup plus naturellement et aisément la jungle. Tiens, vilain singe. Tu paieras pour tous les autres. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pour pas employer un autre terme. Alors, je passerai bien le truc là. Non, il y a un mur. Ça sert à strictement rien. Bon, d'accord. Je vais pas jouer à Tarzan et là je vais me casser la figure. Ah, chauve-souris mal placé. J'étais sûr qu'elle allait me croquer. Oh non, et puis il y a des crapauds. Oh là là, bah je suis mort. Bon bah voilà. On a vu la jungle pas longtemps. Merde. C'est dommage parce que bon, c'est toujours dommage, mais là en plus comme j'étais parti avec l'œil de Kali, je suis loin de l'avoir tout le temps. J'avais un bon départ, mais prout. Alors attends, la bombe est là, je vais jeter mon caillou pour le garder pour plus tard. Pour peu que j'ai besoin d'un projectile sous la main. Allez, barre-toi! Tu vas rester là, la bande, c'est pas plus mal.
Oh, c'est apprécié. C'est le double joyau. Le double joyau de la couronne. Je dis oui. Alors, hop, je vais laisser le chien me rejoindre un peu plus tard. Merde, j'ai failli ne pas l'avoir. Ah, là aussi c'est dégueulasse. Ah bah tiens, c'est un squelette. Hop. Oh, joli. Oh, que je la gère bien. J'ai gagné en expérience, vilaine araignée. Nya. Alors, j'ai gagné en expérience, mais j'ai perdu ma blonde. Qui doit être en train de courir un peu plus bas. Ah, mais même pas, qui s'est pris littéralement dans la toile. Ok. Ah bah tiens, la sortie est en bas. Autant tout faire péter. Voilà, nickel. Alors, j'ai libéré un serpent, c'est pas cool. Ah. Attends, est-ce que je peux assommer le serpent? Ah! Très original! Je crois que c'est la première fois que j'arrive à assommer un serpent avec le contenu d'un coffre et non pas le coffre lui-même. C'est drôle. J'ai bien aimé. C'était rigolo. Oh, tout ça pour ça? Oh non, mais c'est d'une pauvreté. Bon, bah j'ai fini le niveau. Mais bon. Alors là, les chouilles de la vie du bonheur. Merci le chien. Joli paquet de tunas. Ah non, le niveau spécial de l'obscurité. Vous n'y voyez rien. Oula. Oula là. Alors. Oh merde. Oh non, vilaine bête. Va mourir, ouais. Va mourir et reste... Oh, oh, c'est très très vilain, mais c'est tellement drôle. Ah, par contre, je crois que ça a éteint définitivement ma torche. Ce qui est pas bien. C'est bien fait pour ma gueule. Ça m'apprendra à m'amuser à tout déclencher. Alors, la blonde est là, mais je sais même pas si je vais pouvoir la sauver. Il y a de la thune. Ah ouais, le boulet avait de la thune à donf. Attends, ah c'est pas le bas du niveau. Et je pourrais relancer le boulet, dis donc. Et le monstre que je suis va le faire. Attendez, je vais déposer. Attends, je vais sauver la blonde. Enfin, le blond. Je pose une bombe pour relancer oh, voilà, le boulet. La... Merde. Le boulet est parti tellement comme une balle que je l'ai même pas vu partir. Alors, la blonde, la blonde. Hop, viens par ici, beau gosse. Je suis là pour te sauver, beau gosse. Oh, l'autre douce bombe. Ça fait plaisir. Ah. Ah, dans l'obscurité, on peut faire des rencontres. Oh là. Alors, par contre, cette rencontre-là, elle est pas souhaitée. Oh. Merde. Je l'ai eu. Merde. Lui, je l'ai pas eu. C'est lui qui m'a eu. Oh merde, une araignée. Si par malheur, dans mes descentes que je vois pas, il y a des pics, je suis foutu. Hein. J'ai une prise de risque énorme. Attends. Merde! Alors j'ai perdu ma blonde. Ah si, elle est là. Ah, voilà! Wouh! Vous voyez le fantôme de la muerte? Eh, pas mal! Je suis très hardi, mais ça paye, ça paye. C'est rigolo. Cette session me plaît bien. Ah, je me sens mieux. Le machin a beaucoup mieux. Je me sens en train de fouetter des araignées à coups de jarre.
Ah merde, l'échelle de l'inutilité. Ah merde, je viens de tomber en plus. Oh, la boussole qui indique la sortie, c'est bon ça. Ah, alors ça par contre c'est pas drôle. Ah bah si, la flèche est déjà tombée. Mais de toute façon ça m'apporte rien d'aller là et la bombe est ici, merde. Si, placer une bombe peut être intéressant. Alors je pense que j'ai pas le coffre, vous voyez, avec l'œil de Kali là. Merde. Attends, il faut que je passe de l'autre côté. Ah mais non, mais je peux pas atteindre la bombe. Il y a deux cases. Oh non! Non, le jeu t'es abject. Alors en fait, il faut que j'utilise une corde. Et je me prends la flèche dans la gueule quand même. Par rebond. Merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai déclaré. La blonde, je la saute comme ça. La blonde va avoir beaucoup de boss à la tête. Non! Mais non! C'est pas par là qu'il faut que t'ailles. Mais quelle andouille! Moi, je veux ma caisse collecteur de matos qui sont des chambres. Des chambres. Des godasses à ressort. Ah, je saute plus haut, c'est ça. Putain, c'est tentant de faire exploser le truc. Mais ça va être violent. Ah oui, non, ça va être violent. Oh! Merde, ah, c'est dommage que je me sois pris un truc dans la tronche. C'est vraiment dommage. Il me reste plus qu'une vie, donc je suis mal barré. C'est bien de tenter des choses, mais pas au point de d'y laisser sa peau. Là, j'ai pas assez mesuré ma prise de risque, vous voyez. Dommage. À mon avis, la jungle, je l'atteins pas, là. J'y crois pas. Je meurs de faim. Il est 19h30. Quand je vais couper la caméra à 20h15 après le tableau de mystère, croyez-moi que je vais me vautrer sur deux crocs. C'est fou et c'est pas bon signe, d'ailleurs. J'ai plus faim ce soir que ce midi. Donc, dormir avec le bidon un peu trop plein, ça aide pas à dormir. Et encore, j'ai la chance de bosser Baba Cool demain. Je vais pouvoir bosser à mon rythme, ce qui est fort plaisant. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Merde! J'ai merdé mon tir. Ah merde, elle m'a mordu. Je sais plus si à 3 cases je pouvais passer rapidement ou pas. Elle vient douloureusement me rappeler que ça marche pas. Ça... Ah bah tiens, le coffre à Kali, vous voyez, il est dans la fosse serpent. Bon, je peux toujours essayer. Oui, je peux toujours essayer. Ouais. J'en ai eu un. Alors lui, il va être très chiant. Voilà. Merci. Alors, récolte de pactole. Merde. Ah, ça me perturbe les godasses qui aident à sauter. C'est pas le saut normal. Alors, ma mère, j'ai le coffre, mais j'ai pas la clé. Je suis un abruti de première. Je vais rien pouvoir en faire si j'ai pas la clé. Je sais pas où elle est. Merde. Ah! Oh! Oh non, quel con. Je me suis laissé hypnotiser par la clé en or. J'ai pas vu l'araignée qui me tombait dessus. Et voilà. Ce qu'on appelle une erreur de débutant. Bon. J'arrive pas à m'y faire, j'ai mis ce monde de la bombe. Ah! Ça me rend fou. Mais bon, comme vous le savez, rien me perturbe. Ah merde. Attends. Ah oui, c'était encore un diadème. Ok.
Non, non, ça vaut le coup de tout dévaliser, là. Prenons le temps de nous en mettre plein les fouilles. Attends, c'est où qu'on entendait la bande chanter? Ça pique un peu déjà ce niveau-là. Ah, la sortie est par là. Merde. Oh. Eh ben j'ai tout loupé. Merci, au revoir la chauve-souris. J'en suis ravi que ce soit terminé ainsi. Alors là, il y a double bloc qui se font en position. Et je suis obligé de faire usage d'une bombe. Qui entre nous est pas cool. Même de deux. Ah non, ouais, je vais pouvoir pousser là. Ah non, même pas. J'ai même pas l'amorce de pouce. Oh non. Oh le coup. Je pensais que j'allais me raccrocher à l'échelle, vous voyez. Dans mon saut. Je pensais pas passer par devant et me planter dans le... Aïe aïe aïe. Ouch. J'ai fait un double brisage d'urne. C'est dangereux. C'est stylé mais c'est dangereux. Parce que s'il y a une cochonnerie dans une des urnes, je vous dis pas comment elle vous bondit dessus. Bon là ça va, là je veux bien que les joyaux me bondissent dessus. Ah pas les serpents, voilà. J'attendais le contre-exemple, fallait bien qu'il arrive. Fallait bien qu'il arrive. Et la bombe est je sais pas où. Ah alors je me rends nerveux parce que si on regarde tout complètement à gauche, il y a des choses intéressantes mais difficilement accessibles. Ah c'est un beau mec. J'entends les gémissements du blond. Ah qui est dans les presque les limbes là. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Alors, la sortie va pas être difficile. Mais je pense que je vais manquer de temps. Oh, cool. Enfin, attends, je vais faire boum boum. Moi, je vais au-dessus récupérer le... Hop, voilà. Faut faire les choses dans le bon ordre. Merde! Mais non, mais je voulais choper, pas le fouetter. Oh! J'ai appuyé trop rapidement sur flèche du bas et il a cru que j'ai voulu agresser le pauvre bon. Oh le pauvre. Oh là là, quel bordel. Merdoum. Tant pis, je me barre. Oui, puisque c'était le niveau 1, donc le fantôme allait pas tarder à se pointer. Ouais, 2.13, comme il arrive à 2.30. Et j'ai beaucoup de thunas, donc c'est très bien. Putain, c'est pas vrai. Alors attends, ça je dis oui. Et je dis oui. Ça aurait été combien la boussole? 4000. Ah, quand même. Voilà. Ouch. J'aime pas la position de l'araignée. Alors c'est tentant d'aller sur le scarabée parce que ça vaut de la thune, mais l'araignée en perd une vie pour ça, ça fait suer. Ça fait suer... Oh, même pour une corde, j'ai pas envie, vous voyez. J'aurais dit corde... Ah, oh, c'est dégueulasse. Oh là là. C'est dégueulasse hein, comme config. Merde! Je recommence avec mes coups de fouet pas voulu. Alors là, j'ai une grosse araignée que j'ai provoquée, c'est pas bien. Lui, je vais lui atterrir dessus. Je sens que la grosse araignée et moi, ça va mal se finir. Ah, j'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un serpent.
bâtard. Et 4 toiles d'araignée pour vous dissuader d'aller chercher les 3 lingots. Mais je persévère. C'est bien parce que j'ai fait une descente ultra rapide du niveau. Et que je peux me permettre ce luxe. Parce que là, là, là... Non ! Oh, dégueulasse. Non ! Dégueulasse. J'ai perdu 3 vies en 10 secondes. Et puis la blonde, alors là... Va mourir la blonde. Oh. Alors, il y a un jeu de la fortune. Tiens, j'aimerais bien lancer ma torche éteinte sur la caisse. Ha 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 ! Magnifique. D'ailleurs, elle m'est revenue, je sais pas comment. Et hop, pour le serpent. Ah non, dommage. Alors, c'est quoi la cagnotte ? C'est un gant de... J'en ai rien à péter. Oui, t'as raison, je rebats un coup. Tu dis vrai. Merci, Torota, je bois pas assez. Oui, bien vu. Merci, Torota, pour mon bien-être. Je te donne entièrement raison, alors que l'échelle est en train de m'agacer, parce que je vais aller sur la plateforme et faire un saut. Voilà, merci. Ouch. Merde, non! Alors, si vous avez bien vu ce qui s'est passé, la torche était coincée dans un toile d'araignée qui m'est retombée dessus et qui m'a fait perdre une vie. Parce que Bobo... Parce que Bobo dégueulasse. J'ai 18 bombes, j'ai envie de dire 1. Voilà, muerte. Déblaiement de la muerte. Hop là, attrape. Oh, j'ai plus qu'une vie et j'ai la chance d'avoir plein de bombes, mais ça va mal se finir. Je suis tristesse. Oh, ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, j'aurais fait le truc parfait, j'aurais visé l'araignée violette au bout en même temps. Comme ça. Ouais, j'ai bien joué. Oh, c'est tentant de foutre le merdier. Oh, c'est tentant. Je résiste. Y a quoi en dessous? Il y a un sadomaso. Je serais tenté de déclencher le boulet. Oh la vilaine. Pour être poli, la vilaine. Et Nayonet fait du camion. Je balance tout, j'ai des infos exclusives. Alors. On souhaite bonne route à Nayonet. Bonne route virtuelle. Merdoum. Ah, oh, quel dommage. Alors, attends, j'ai quoi sur la droite? J'ai de la mouise. Clairement, j'ai de la mouise. Vu comment que ça se dessine. Ok. Ah merde. J'aurais bien aimé que le truc... Oh, je fais que de la mouise. Ah, merci. Ouais, bon, pour une petite pépite. Voilà, ça m'intéresse. Oh là là, oui. Oh oui, donnez-moi de la tunasse. Attends, je vais garder mon caillou avec moi quand même. Si je pouvais l'embarquer, j'apprécierais. Alors, corde. Diadème. Ah, la blonde est là. Bon. J'ai eu chaud. J'ai failli prendre des éclats de ma propre bombe. Un boomerang, bof. Ah, c'est peut-être la bonne idée. Du moins, je vais retrouver le blondinet en bas. Reste à savoir dans quel état. Non, c'est là, on va le retrouver empalé dans un pieu. Je vous dis pas la mouise. Moi, je vais essayer de garder. Je dis bien, je vais essayer de garder le boomerang. Ah, quel confit de. Voilà. Ça joue, mais. Je voulais poser une bombe, à part ça tout va bien.
Ah, c'est intéressant. Oh, pas mal. Bon. Voilà. Oh, 16 000. Bien. Waouh. Clac, clac, clac. Ah, tu nasses. C'est énorme. Oui, on ne sait pas le coup. Oh, il y a un truc en dessous de Cali. Là, le bon est déjà là. Le bon est déjà là. Mais qu'est-ce que c'est que ce... D'accord, pour deux lingots de chiottes. Ok. Ça te va? Je sais plus quoi dire. Attention, beau gosse, j'arrive. Eh oh, j'aimerais donner un coup de fouet. Non. Ah, hôtel sacrificiel. Hôtel sacrificiel que je vais préalablement snobber. Alors, je pourrais sacrifier le blond et avoir un objet en cadeau de la part de la déesse noire. Alors, il y a le coffre qui est intéressant à serrure. Lui, il va me suivre. Il va me suivre dans les ténèbres. C'était juste une figure de scie. Oh, la clé juste en dessous. Alors, autant faire... Non, attends, reste ici. Ouais, autant faire péter une bombe. Enfin. Comme ça, je squitch. Merde, j'ai lâché le blond. Tant pis. Je voulais le faire passer par au-dessus, mais j'ai merdé. Alors, attends, la clé est là. Il me faut ça. Merci. C'est bon, j'ai l'œil de Cali. Alors là, c'est délicat et pas qu'un peu. Parce que je n'ai plus de bombes. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Le vendeur n'en propose même pas, donc je l'aurai dans le cul. Ah ! Aïe, aïe, aïe. Bobo Pondinet. Aïe. Il a pris pour moi, je suis désolé. Mais j'avais pas d'autre meilleure solution. Attention les piques. Hop. Est-ce que j'achète un truc du marchand? Oh, j'adore les bombes. Merde, j'avais même pas vu qu'il y avait... Oh, je me suis fait encore un bleu. C'est un cadeau surprise. Allez, je suis fou. Alors, j'ai pris un cadeau mystère, je sais même pas ce qui m'a... J'ai pas compris. J'ai l'impression que j'ai claqué 8000 dollars pour rien. Ce qui est un peu rageant. Mais bon, pour où j'en suis... Ou alors, je l'ai acheté, j'étais en droit de partir avec et je l'ai pas pris. Ce qui est d'un crétinisme profond. Enfin, bref. Toi tu meurs. Ah, les esclaves, je les aime pas. Je trouve qu'ils réagissent super mal. La dernière fois, je m'étais fait fouetter par mon propre esclave. Ce qui est une hérésie. Ouais, non. Je vais pas aller voir l'esclave. Alors là, j'ai une souris qui se prend, et tant mieux. Alors là, j'ai la blonde, mais j'ai une araignée par-dessus. Voilà, j'ai mal géré. On va pas. Et j'ai plus de bombes. Ça, c'est embêtant. Le fait de pas avoir de bombes. Oui, le fait de pas avoir de bombes. Mais une blonde ne résolue pas le. Ça n'arrange rien, en fait. Fausse au serpent. Ah! Ah! Merci. Oh la vache, je me souvenais plus que le fusil était si cher. Et encore dans la jungle, en fait... oui, j'ai pas aimé la chute.
Dans la... C'est très très moche ce que je suis en train d'observer. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Bienvenue. Ah non, j'irai pas chercher la blonde là. C'est impossible. Bonjour au nouvel arrivant. Je sais pas, j'ai un bug de mon logiciel donc je vois même pas qui arrive. Mais bienvenue, merci. C'est toujours un grand plaisir que d'accueillir de nouveaux spectateurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je suis perdu. Voilà. Alors j'ai repéré la sortie, elle était en bas. Si certains d'entre vous ont vu l'encadrement de porte de la sortie de chambranle. Ah! Comme dirait Denis Brognard. Wow! Comment ça? Ah oui, dégâts de chute! Pardon. Pardon. Je refusais le... Mais non, il a raison, dégâts de chute. Tu as un souci de Twitch car le chat déconne. Ouais, ben tant pis, c'est pas grave, ton retard. Merci pour l'info. De toute façon, je vais bientôt arrêter. Dans un quart d'heure, j'ai rendu relais de chaîne. On va faire le tableau mystère et je vais m'évanouir dans la nuit. Ouais, bah, une petite pépite et je me barre. Ouais, wow, Twitch qui déconne. Ah, on retourne à la jungle. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Bah, je fais la session là et puis. Ah merde. Et puis. Tableau mystère. Ah bah, alors vous voyez les tombes, il y a des rips. Et il y en a une seule qui est en H, des cendres. Il faut la faire péter pour. C'est le truc de Dracula. Le crâne de mort, je crois. Il m'était arrivé des choses horribles. C'est vrai en plus. Oh là là. Alors lui, c'est mon marchand rêvé. Attends, tu déconnes avec l'inflation, mec. T'as vu tes tarifs. C'est honteux. Ah bah voilà. Vous voyez, il y a le fusil. Je le vois avec l'œil de Kali, mais... Donc le fusil a dû tomber plus bas. Et il est intéressant. Un fusil à 17 000. Oh. Oh, je tente la... Tout ça pour une pépite. Ah oh bah la sortie juste en dessous. Oh, attends, moi je me barre à la sortie, moi. Attends, je te lance une bombe et puis voilà, ça tombe bien. Nickel. J'ai dégagé la sortie. Sympa. La jungle commence gentiment. Alors si je suis pas le con, si je pouvais atteindre la caverne de glace, il y a 4 tableaux par monde. Ah, j'ai une blonde accessible. C'est troublant comme fait. Putain, j'ai 15 bombes. Ah oui, attends, je vais libérer la bombe. Je vais essayer de me barrer avec la blonde. Ouais. J'en suis bouche bée de la cruauté extrême de ce niveau. Que je sais même pas ce que je vais faire avec ma bombe là. Je vais la mettre prisonnière là. Enfin, mon nid ne bouge pas. Alors, attends. Je passerai bien par le bac au piranha, mais. Putain, la vache! Ou alors non, attends, j'ai une idée. J'espère que mon idée va payer. Je vais faire l'économie de quelques bombes. Attends, je balance. Voilà, très bien. Hop. Oh merde. La
vache. Oh non. Ah non. Et merde, j'ai pas le temps de me relever, je suis mort. C'est terrible, la jungle. C'est terrible. C'est traumatisant, la jungle. Oh là 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 là, tant pis, on va revenir au menu. Bon, bah, c'était Spell Lucky. Et c'était violent. Allez, on va finir sur du tableau mystère. Et puis, je vais vous abandonner dans 10 minutes, un quart d'heure. Ah, alors, je vous remets un peu de musique de fond en attendant.